Bonsoir les amis, bonsoir Lyon. Bonsoir amis venus du monde entier pour cette 13e Coupe du Monde de pâtisserie. Et bonsoir Angela. Hello Vincent, hello audience. What a wonderful audience you have been at this amazing World Pastry Cup for 2013. Alors je sais que vous êtes resté toute la journée patiemment ici depuis hier matin à regarder les équipes travailler, à regarder ces pâtissiers merveilleux venus de 22 nations pour s'affronter ici pour cette finale de la Coupe du Monde de pâtisserie, et vous avez été formidables, vous pouvez vous applaudir. Over the past 2 days, we have seen some amazing work with 22 countries this year at the World Pastry Cup, working at an incredible pace. The regulations changed. There was more freedom for creativity. We saw some of the most magnificent work that we have seen in the whole history of the World Pastry Cup. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a des Marocains ici? Ah, ben c'est sympa. Et il y a des Ivoiriens dans le fond, là-bas? Des Japonais? Taiwan, are you here? You're here or there? UK, you don't hear you. UK, Argentina, here. Brazil, Denmark. There we go. The same 5 people from yesterday. Welcome back. What about Singapore? Singapore. Belgium, la Belgique. Est-ce qu'il y a des Italiens? Italy came back. Et alors, Italy could be the loudest. Ouais, I love Italian music. J'adore la musique italienne. Mais surtout, on se pose une question. Est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il reste ici, dans le podium, dans ce public, quelques Français? Ah, bon. Wait a second, don't forget, where's USA? I see some USA flags waving about. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauffés à blanc? Formidable. Alors on va pouvoir tout de suite commencer cette cérémonie de remise des prix de la 13e Coupe du Monde de pâtisserie ici à Lyon. Je voudrais, pour commencer les festivités, accueillir à mon tour celle qui nous accueille tous ici, la directrice du CIRA, Marie-Odile Fondeur, que je vous demande d'applaudir. Elle est accompagnée de Jérôme Bocuse, Ladies le président and gentlemen, du CIRA. For the finale here of the World Pastry Cup, please put your hands together to welcome out Marie-Odile Fondeur, the director of CIRA, together with Jérôme Bocuse, the president of CIRA. On va également demander à notre président d'honneur de ce concours, à monsieur Jacques Charette, sous vos applaudissements, d'entrer sur scène. And please welcome out the president of honor. Il est accompagné de Jordi Bordas, le dernier vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie en 2011, président d'honneur pour l'Espagne. And please welcome out the international president of the jury, the winner from 2011. Ce sont les acteurs de cette dramaturgie extraordinaire. Je vais vous demander, au nom de tout le comité, d'accueillir son président du comité d'organisation, monsieur Pascal Molines. And please welcome out the president of the international organizing committee. Salut Pascal. Mais quel est donc cet homme que l'on a vu rôder toute la journée dans tous les box, sur cet espace scénique? Un homme à la barbe blanche qui a apporté beaucoup de son savoir-faire, beaucoup de sa passion à ce concours. Il en est le fondateur et le président à vie, monsieur Gabriel Paillasson. And welcome out the founding president of the World Pastry Cup, Gabriel Paillasson. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel, j'ai vu avec quelle passion tu remets à chaque fois ta vie en jeu dans ce concours. C'est extraordinaire. Tu y es depuis la première heure du matin jusqu'à la dernière. C'est toi encore qui fera la fermeture ce soir. Une vraie vie de pâtissier ici sur le concours. Un petit mot d'accueil, bien entendu. Merci. Merci, merci. D'abord, merci à toute mon équipe qui fait depuis bientôt 25 ans un travail merveilleux. Ta
Thank you to all of our teams doing a fantastic job for over 25 years. Merci à l'équipe de GL maintenant qui nous soutient depuis le début dans cet événement. Un grand merci, mais à toute l'équipe, ceux qui ont travaillé, les petites mains, les grandes mains, les responsables, tout le monde, parce que c'est un véritable travail d'équipe. Thank you very much to the organization represented by GL Events and all their teams. Merci de la présence de Jérôme Bocuse, qui est notre président du salon maintenant. Un grand bravo, et surtout un grand bravo par respect à son père de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire, mais je crois qu'il faut le laisser un peu tranquille. Warm applauses to Jérôme Bocuse, a great thank you to him and his father. Merci à toutes les équipes depuis la création. Plus de 40 nations ont participé à cet événement. Il y en a qui participent depuis le début. Donc, un grand, grand bravo à tous parce que sans eux, il n'y a pas de concours. Thank you for over 40 nations having done a great job to participate to this contest, to this World Cup. They've been working 40 nations. Of course, only 22 could reach the final today. Merci à tous les membres du jury qui ont œuvré pendant deux jours et qui ont souffert. Et merci à tous les membres du jury des éditions précédentes. And of course, thank you to all the members of the juries. They are the presidents of their teams and they've been working so hard for 2 days. Une mention toute particulière à la presse qui a compris en un quart de siècle ce que c'était notre métier. Alors bravo. A special thanks to the press and medias who finally understood after 25 years what was the job of being a pastry chef. Et enfin, merci à Jacques Charette. Alors nous, on est des vieux complices depuis 40 ans. Merci d'être présent. T'es peut-être un peu fatigué, Jacques, mais bravo. Bravo pour ce que tu fais. C'est très bien. And thank you finally for my friend Jacques Charette. We've been working together for 40 years. Et un merci aussi au ministère qui nous soutiennent depuis le début. Et en plus, je dirais, depuis 5 éditions, nous avons le vase de sève du prix du président de la République, ce qui porte notre métier dans une haute valeur. Merci. And thank you to the Minister of Commerce that brought us today the vase de sève of President of the Republic. Merci à toutes ces petites mains qui travaillent derrière, dans l'ombre, sans bruit. Bravo. Thank you to all these anonymous people working for this fantastic World Cup. Thank you, Gabriel. Marie-Odile. Eh bien, merci à tous d'être présents ici, à Gabriel, à Madame la Ministre, au Président Jérôme et à tous les membres du jury. Merci aux partenaires d'être là pour nous financer cet événement qui est vraiment magnifique et avec une ambiance fantastique, n'est-ce pas ? Et puis les candidats ont beaucoup travaillé, donc on va les supporter et les féliciter ce soir. Merci à vous. Thank you to all of you, all the people present here tonight. Thank you for all the work done, and we're so so glad that it was a great competition. Oui, alors là je traduis pas. Thank you, Gabriel. Merci, Marie-Odile. Eh bien, je voudrais, avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, citer les partenaires, mais je vais laisser quand même à Jérôme de nous dire un petit mot, puisqu'il est chez lui ici. Hein. No, it's not... En anglais, Jérôme. Hein. Yeah, I'm going to do it in English. It's not my home. Not yet. Tomorrow, maybe, but not tonight. But as a president of the CIRA 2013, I am very honored to be here and want to thank a big thank you to all of you. We're going to reach close to 3,000 exhibitors this year, and roughly 200 visitors as well. So this is thanks to you. You're coming from all over the world, and it's a big, big thank you. Voilà, merci à tous nos amis venus du monde entier. On espère battre les records d'audience qui ont été atteints lors des précédentes éditions. Merci, Jérôme. On sait que tu as l'amour vraiment de ces concours et tu le fais si bien. Alors, on va vous citer également quelques-uns des partenaires qui sont des gens très importants pour la Coupe du Monde de pâtisserie. Je vais les donner dans l'ordre, je vais en dire peut-être pas d'ancienneté, mais en tout cas d'amour hein, pour les partenaires qui le rendent bien au concours. Je vais d'abord vous parler
de ce qu'on appelle le sponsor principal, fondateur, la maison Valrhona. Et je sais qu'ils sont là, je vois Eric Marquisot et toute l'équipe de Valrhona, Jean-Luc Grisot qui est là. And we'd also like to give a huge, great, big thank you to our partners, for all of this would not be possible without their amazing help and support the entire way. So we'd like to thank our main founding partner, Verona. Voilà, je crois que ça a été fait. Il faut également situer un partenaire principal de ce concours qui a toujours travaillé main dans la main avec les pâtissiers qui sont ici présents. Eh bien, c'est la maison Ravi Fruits, c'est la partie fruitée de notre concours. And we'd also like to thank our main sponsor, Ravi Fruit, as well. Je voudrais également citer les partenaires, ils sont au nombre de deux, la maison Convoterme, groupe Manitowoc et Enodis qui sont évidemment présents dans les box. And we'd also like to thank our partner Convoterme, Manitowoc. Et Bravo France, j'ai vu Giuseppe Bravo qui est également présent, Bravo France qui... Voilà, ce sont les deux partenaires, on va dire matériels, qui permettent à ces jeunes gens de s'exprimer avec le plus de technique et le plus de simplicité possible, car le stress aidant, il faut avoir du matériel simple à comprendre. And les membres... And Bravo France. Sorry, Angela. Les membres de ce comité de partenaires, eh bien, il y a Bragard, Debic, R3AP, Nespresso, Diversey, KitchenAid, Griotine, Dobla et l'Institut Paul Bocuse, dont d'ailleurs deux jeunes gens vont venir sur scène pour représenter leurs camarades. Voilà, je crois que nous avions... parce qu'ils ont été là aussi présents pendant tout le concours, hein, Gabriel, les jeunes de l'Institut Paul Bocuse pour le service. J'irai une mention toute particulière pour tous ces jeunes de l'Institut Paul Bocuse, de l'encadrement. Ils ont été parfaits. Vous pouvez tous rassurer sur notre jeunesse. Yes, a very special thank to all these young people coming from the Paul Bocuse Institute. They were so fine on the World Cup. And those are the big thank you to all of our members. All right. Les fournisseurs Marguerite et Fermob, voiture officielle Renault. On est en France et ça allait très bien comme ça. Hein, elles ont bien roulé. Voilà, on les remercie. Et je voudrais également citer la participation de Demarle et Marel. Voilà, pour compléter la liste des partenaires ici présents sur ce concours. Et c'est pas rien d'être partenaire de la Coupe de la Pâtisserie, ça oblige à l'excellence. Hein, on m'a dit, en tout cas. Vincent, la réussite de la Coupe du Monde, ça a été un échange et un combat permanent entre les organisateurs, les professionnels et les partenaires. Et tout le monde a joué gagnant-gagnant. Voilà, it's a team project, voilà, that comes through in the end, between the partners and the organization committee. Attention, ce comité d'organisation, ça c'est des gens importants. Ils ont été bien coachés par Pascal Molines. Et je peux vous dire, ils sont à fond, on les retrouve à chaque édition. Ce sont des gens très importants parce qu'ils quittent leurs officines, ils cortent leurs boutiques, ils quittent leurs écoles pour venir donner de leur temps pour la pâtisserie française et pour la pâtisserie mondiale. Je vais les citer, ils vont rentrer à l'appel de leur nom. Je vous demande de leur faire une ovation. Attention, le comité d'organisation, Patrick Chevalot. Ladies and gentlemen, please welcome out the members of our international organizing committee, the men who really do all of the legwork behind Frédéric this competition. Frédéric Deville. Michel Deville. Thierry Froissart. Jean-Philippe Gay. Jean-Marc Guillot, Édouard Hirsinger, Jérôme Langillier, Ludovic Mercier, Bruno Moncoudiol, Philippe Rigolo, Alain Rolancy, Christian Salambier et Michel Violet. Et enfin, Angelo Musa. Les membres honoraires de ce comité, Michael Azouz,
Marcel Pognot, Alain Guinet, Gérard Moine-Bressan et Jean-Paul Savioz. Vous pouvez remarquer que le comité est composé, je dirais, de 90% de meilleurs ouvriers de France, Madame la Ministre, d'où l'intérêt du concours du meilleur ouvrier de France, comme ça, et aussi d'anciens gagnants de la Coupe du Monde. Donc, un grand merci. Bravo. Respect. Merci à tous, messieurs. Et je tiens à signaler, je disais 90% de meilleurs ouvriers de France, ceux qui ne sont pas sont souvent des anciens lauréats de la Coupe du Monde de pâtisserie. Donc il y a un sacré niveau, hein, et quand on se dit que c'est eux qui servent d'assistants en définitive aux pâtissiers qui sont là, c'est souvent faire ses courses avec une Ferrari. C'est un peu l'image que l'on a, avoir les meilleurs pour vous servir dans ces moments difficiles quand on est pâtissier et qu'on se retrouve dans les box. Je vais également citer, la plupart nous ont quittés aujourd'hui parce qu'ils sont retournés à leur travail, mais nous avions un jury presse qui est venu juger le prix chocolat. Je voudrais citer Tim Eward du Financial Times, Philippe Boé de VSD et Goemio, Eriko Matsua de PAM et également Livia Kiriotti de Pasticceria Internazionale. Ce sont tous des grands professionnels de la presse spécialisée, en tout cas dans la gastronomie et la pâtisserie. Donc ils nous ont accompagnés pendant cette journée. We also want to give a great big thank you to our members of the press jury that were here with us over the past 2 days. They were judging the chocolate dessert for the first time here at the World Pastry Cup. So it's a great big thank you that they got to join us and be part of this amazing competition. Bien, il est temps pour nous de faire entrer les protagonistes de ce magnifique show que nous avons vécu aujourd'hui. Je vais appeler avec l'aide d'Angela les équipes internationales. Et je vais vous demander, évidemment, au fur et à mesure de leur entrée sur scène, de les applaudir chaleureusement. Angela, would you translate that? The fact that we're calling the teams. Yes, exactly. So now we're going to have our teams come out and join us here on the stage. We have 22 countries that are joining us this year. It's a big competition. Eh bien, on démarre tout de suite avec le Danemark. Niklas Fraser, Mats Christiansen, Mark Herman, President Carsten Kay. Please put your hands together to welcome out Team Japan, Tetsuro Akasaki, Daitsu Tomita, Ko Moriyama, and President Norihiko Terai. For the U.S., Andy Schlebana, Stephen Durfee, Christoph Fade, Gilles Renison. Put your hands together for Italy! Francesco Moccia, Marcello Moccia, Luca Cantorin, and President Gino Fabri. For la Colombie, Julio Borica, Frank Aragon, Alexi Rodriguez, President Frankie Switches Ramirez. Keep the applause rolling for Malaysia, Yik Hong Kong, Shi Xiang Tei, Wei Lun Tan, and their president, Ko Sien Cham. Je vous demande d'applaudir très fort l'équipe de Tunisie avec Marez Bouali, Leonardo Sassa et le président Karim Elouze. Keep the applause rolling for Egypt, Ahmed Kamel, Abdel Mohsen Amin, and their president, Ahmad Abelsam Younes. Ne baissez pas d'intensité, voici l'équipe de Corée du Sud, South Korea, Yong-Hoon Kim, Se-Hyun Choi, Hoi-Kyung Kim, président In-Chui Ryu. And bring in Mexico, Jacob Rogham, Henriksen, Natia Haminen, Paulin Badillo, Andrea Gonzalez Baldas, and the president Martha Sanchez. S'il vous plaît, accueillez comme il se doit l'équipe d'Argentine. José Victoria D'Alonso, Jorge Luis Garcia, Mario Abad-Cruz, Presidente Eduardo Adriano Ruiz. And keep the applause rolling as we bring in China. Chao Zheng, Xiao Jun Li, Jun Chuan Yan, and President Wei Yi. Et voilà les Chinois.
L'équipe d'Australie. Please welcome Australia. Andre Sanderson, Justin Yu, Barry Jones, President Dean Gibson. Please welcome out Morocco, Rachid Wakas, Salah Eid Chatelain, and Karim El Boukhari, and President Kamal Rahal Essaloumi. Et voilà les Marocains. Il faut maintenant accueillir la Belgique avec Arnaud Zalis, Takanobu Suzuki, Michael Maréchal, Président Herman Van Bender. And ladies and gentlemen, please keep the applause rolling for Singapore. Alex Chong, Jason Lau Cheng, Chef Lim, and Yung Ming Chung. Give a warm applause to Taiwan, Xu Ming Chang, Li Ji Chen, Jui Ming Chang, President Xu Chu Li. And now together, Angela, let's welcome... Ladies and gentlemen, let's welcome out the team from France. Quentin Bailly, Mathieu Blandin, Geoffrey Lefonte, le président Frédéric Cassel. And please welcome out from the Ivory Coast, Suleiman Debat, E. Hortens Aka. Oh, we're missing Portugal. Ladies and gentlemen, please welcome out Portugal. Antonio Costa, Antonio Baia, Jose Leno, President Carlos Valente. And now welcome out the Ivory Coast, Suleiman Debat, Hortens Aka, Jibril Sam and President Paul Bossog. Oui, l'équipe de Côte d'Ivoire. Première participation ici à la Coupe du Monde de pâtisserie. The first time here to join us. Veuillez accueillir maintenant l'équipe du Brésil. Rafael Meira Barros, Ramiro Bertazin Silva, Renata Kimie Avasiro, President Flavio Federico. And please welcome out from the United Kingdom, from the UK, Javier Mercado, Nicholas Boller, and Nicholas Bellorgi, and President Martin Shippers. Gabriel. Je crois que les Anglais étaient pressés d'aller sur le podium. Ils voulaient tout de suite aller... Ils voulaient tout de suite monter les marches. Il a fallu les retenir un petit peu. Bien, mes amis, puisqu'on est maintenant des amis, on vient de passer 48 heures de feu ensemble. Eh bien, nous allons, effectivement, s'ils sont là, sous la... on dirait sur la direction de leurs professeurs Philippe Rispal et Alain d'Auvergne, appeler les étudiants de l'Institut Paul Bocuse, s'il en reste... Et peut-être sont-ils déjà repartis vers d'autres aventures, car vous savez que sur ce salon, sur le FIRA, ils sont mis à contribution, hein, les jeunes. C'est presque un stage pour eux. On peut les applaudir, regardez, ils représentent leurs camarades. And please welcome out all of the students from the Institute of Paul Bocuse that have been amazing here with all of their help. Merci, jeunes gens. J'ai vu des garçons et des filles d'une tenue exceptionnelle et j'ai même dit, j'aimerais bien avoir des enfants comme ça. Quand on les voit, les élèves de l'Institut. Mais nous, on a des enfants comme ça. Oui, bah t'as de la chance. On en reparlera, Gabriel. Bien, je vais maintenant appeler deux personnages essentiels qui ont aussi œuvré toute la journée. J'ai nommé les huissiers, Maître Cédric Boucharla et Alexandra Perrier, avec les enveloppes contenant les noms des vainqueurs. Merci d'applaudir nos huissiers. And thank you so much to our amazing legal bailiffs who make this all possible. Alors en fait, c'est Cédric qui est là. C'est très bien. Hein. Il se relaye en fait. Maître Perrier, elle est sur le Bocuse d'or. Elle est en train déjà de surveiller les épreuves demain. Formidable. Bien, un mot encore. Je sais que
Gabriel Payasson y tient énormément et je le comprends. C'est un vrai honneur qui est fait à ce concours et à ceux qui ont œuvré pendant toute cette journée. Gabriel, tu veux que je te libère du micro ou ça va aller ? Non, ça va aller. Voilà. La meilleure présentation de buffet va se voir remettre le vase de Sèvres de Monsieur le Président de la République. Et je vais demander à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, de remettre ce vase. Madame la ministre, bienvenue d'abord sur cette planète de pâtissiers qui vous accueille bien volontiers. So we'd like to welcome to the stage. We're going to give out the award for the best buffet. So the best buffet award. And we have... D'accord, ça va. Tu vas tenir le micro, Gabriel? D'accord. Très heureuse d'être ici pour cette Coupe du Monde de la pâtisserie. C'est un moment exceptionnel. Et pour remettre ces prix, il fallait aussi un symbole de l'excellence française, puisque pendant cette compétition, vous nous avez montré, les 22 équipes nous ont montré leur talent, leur professionnalisme, leur dextérité, leur volonté d'être les meilleurs et de gagner ce prix. Donc le président de la République a souhaité offrir ce vase en porcelaine de Sèvres, qui est aussi un symbole de l'excellence française. Et nous sommes très très fiers d'avoir autant d'équipes étrangères pour cette Coupe du Monde. Cela montre l'intérêt des métiers partout dans notre planète et l'intérêt de la pâtisserie. Donc bravo à tous, vous pouvez être fiers déjà d'avoir participé à ce grand concours. Et j'espère maintenant que les résultats pour l'équipe de France seront à la hauteur de nos espérances. Merci, Madame la Ministre. Oui, oui. Merci, Madame la Ministre. Et je vous prierai, avant que je le fasse, de transmettre mon profond respect à Monsieur le Président de la République qui nous a offert ce magnifique vase de Sèvres. Merci. Cher Gabriel, j'ai dans la main l'enveloppe, mais j'y ai pas droit. En revanche, tu peux ouvrir. Je vais vous demander un petit moment de, voilà, de tension supplémentaire. So this, let me just kind of highlight something. This is the best buffet award. So this is the award for the vase de Sèvres for best buffet award, which is being given out by the Minister of Craft, Trade and Tourism. Gabriel, nous sommes attentifs pour savoir qui a réalisé la plus belle pièce de buffet, la plus belle présentation, the nicest... Madame la Ministre. Showpiece. L'équipe de France. L'équipe de France. Congratulations, France, winning the vase de Sèvres. J'ai idée que... Parce que le vase de Sèvres, on ne peut pas le couper en quatre. Hein. C'est un problème. Alors ne le cassez pas. Il peut aller dans la pâtisserie Cassel à Fontainebleau et puis vous viendrez l'admirer de temps en temps. Congratulations, Team France, for winning the vase de Sèvres.
comme tous les ministres, Madame la ministre, un emploi du temps très chargé. Je vous remercie encore de votre présence. Et je vous laisse un petit souvenir écrit de la Coupe du Monde et une petite médaille sur la Coupe du Monde pour toujours penser à la pâtisserie. Merci. Merci beaucoup. Et bien voilà, le premier acte de cette remise des prix est maintenant passé et nous allons immédiatement, si vous le voulez bien, procéder à la remise des prix à proprement parler, en commençant par la médaille de bronze, la troisième marche du podium. Ladies and gentlemen, we are now getting ready to announce the bronze medal here at the World Pastry Cup for 2013. Les vainqueurs se verront remettre un chèque de 6 000 euros. C'est bon de le préciser, car les dotations ont été un petit peu gonflées pour cette édition. Réévaluées, c'est ça. On a suivi le coût de la vie. Et croyez-moi, lorsque l'on sait les investissements que représente le travail des équipes présentes ici aujourd'hui, c'est pas volé. Vraiment pas. Il est vrai que ça demande beaucoup d'efforts de travail, beaucoup d'efforts d'investissement. Et là, c'est vrai que les partenaires réalisent un travail merveilleux à travers le monde entier pour promouvoir notre métier. Donc, un grand bravo aux partenaires. Alors, ce sont de grands chèques et il faut des grandes signatures, donc on est content que les partenaires s'en chargent aussi. Merci, messieurs. Alors, je vais appeler pour remettre cette médaille de bronze trois personnages importants. Pascal Molines, il est déjà là. Jacques Charette est déjà là. Et Jordi Bordas est déjà là. Donc, c'est vous, messieurs, qui allait être en charge de la remise de ce prix, de cette médaille de bronze. L'huissier est là également. Cédric, vous êtes là, c'est formidable. Donc, si vous le voulez bien, sans tarder, je vais demander à l'huissier de remettre à Gabriel Paillasson l'enveloppe contenant le nom de la médaille de bronze. Un pays, lui, pas trop loin de chez nous. L'Italie. L'Italie. Congratulations, Italy. Come on down for the bronze. On dit souvent, Gabriel, que l'Italie, ils sont forts en glace. C'est un petit peu les images d'Épinal. Mais là, je crois que pour être médaille de bronze, il faut être fort en tout. Quand même, en Italie, 23 000 artisans glaciers. Donc, c'est quand même la glace qui prime. Mais je trouve que sur la pâtisserie, depuis 25 ans, ils ont fait une évolution mais fantastique. Alors, bravo pour eux. Bravo, grazie. Fantastique. Quelle belle place pour l'Italie. Fait toujours plaisir de les retrouver sur le podium. Une grande nation pâtissière. Ils sont souvent sur le podium. C'est une habitude d'être sur le podium. Ils sont bons. Ils l'ont gagné une fois, puis ils sont souvent sur le podium. Absolument. C'est mérité en tout cas. On peut les applaudir. Bien, nous allons bientôt remettre, dans quelques secondes, la médaille d'argent, la deuxième place. Parfois, on dit qu'il vaut mieux être médaille de bronze que médaille d'argent, que la deuxième place est plus difficile à vivre que la première.
troisième parfois. Et bien moi je dis que c'est une place sur le podium absolument merveilleuse. Et je vais demander à notre huissier de remettre à Gabriel l'enveloppe contenant le nom de l'équipe gagnante de cette médaille d'argent de la 13e Coupe du Monde. Gabriel. And now we're moving into the silver medal for the 13th World Pastry Cup. Feu, un pays que nous connaissons bien, que nous aimons bien, un pays aussi de travailleurs comme tous les pays, mais en particulier qui a souffert quelquefois, le Japon. Japan! Japan! Our silver winners for the World Pastry Cup 2013. Une équipe formidable, présidée et emmenée par Noriko Terai, le président de l'équipe du Japon, qui doit être très fier de ses gars en ce moment. Magnifique équipe du Japon, avec une tradition pâtissière si ancienne, si ancrée dans la population, et surtout une ouverture au monde, aux pâtisseries du monde. Il faut s'en persuader en allant au Japon, voir la qualité de la pâtisserie. Les Japonais aiment les gâteaux, ils aiment la pâtisserie, ils en achètent souvent, et elle est bonne, elle est même extrêmement bonne. Et je crois que ces dernières années, ils ont encore plus développé sur le chocolat. Donc, bravo. Bravo à tout leur travail. Et quand on le sait... Jean-Luc Grisot, il fait oui, oui, oui. Ce qu'ils ont souffert sur leur, dans leur chair, c'est important. C'est très mérité, avec un travail extrêmement équilibré entre le goût et la forme. Voilà. On dit souvent, on est heureux d'avoir des Japonais dans une brigade, en pâtisserie et en cuisine. On sait pourquoi. Ce sont des gens extrêmement fiables. Absolutely amazing work team Japan. Bien, mes amis, on a presque fini. Et tout le monde se demande bien quel nom peut bien contenir l'enveloppe que tient Cédric, notre huissier, derrière. Montrez-nous l'enveloppe, maître. Montrez-la nous. Celle qui est marquée premier prix. There's only one envelope left. There's just the one. Looks like we're looking at. Remettez-la, Gabriel. First place. Mais je vais appeler, avant que Gabriel ouvre cette enveloppe, je vais appeler notre sponsor historique, en la personne de Jean-Luc Grisot, la maison Valrhona, que je vous demande d'applaudir. Please welcome out Jean-Luc Grisot from Verona. Je ne sais pas, Jean-Luc, ce que ça te fait à toi, mais moi, j'en frissonne quand je me retrouve ici. Hey, quelle émotion, quel bonheur d'avoir eu la bonne idée d'être associé à Gabriel depuis les premiers jours. Nous, notre société qui est complètement dédiée, tu le sais Vincent, au développement de l'artisanat et des chefs pâtissiers de restauration. Notre métier de chocolatier, c'est pas pour les industriels, tu le sais, c'est que pour nous. C'est que pour l'artisanat et la restauration. Et c'est vraiment extrêmement important d'avoir ce concours qui promeut si bien ce métier de chef pâtissier. Donc quel bonheur d'être là. Là où tu dois être, et là où doit être Valrhona. Et puis je voudrais quand même... j'aime bien, moi, qu'on associe la mémoire des anciens. Et chez eux, ils avaient un visionnaire
qui s'appelait Antoine Doudet, où son fils était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, il est là, et un grand hommage à ce grand monsieur qui a cru à l'époque à nous, parce que ce n'était pas évident. Merci, merci à Jean-Luc. Jean-Luc, je vais te laisser prendre place sur le bord du podium, qu'on voit ces jeunes gens, hein. Moi je passe, mais rapidement. Et on va faire appel également à notre autre sponsor, ce sponsor très important, puisque c'est un concours bicéphale. Il se sépare entre chocolat et fruits, et pour avoir des beaux fruits, il faut Ravifruit. Thierry Sibu, que je vous demande d'applaudir. And please welcome out from Ravifruit, Thierry Sibu. Thierry, j'ai beaucoup goûté et je suis difficile, mais je dois dire que je n'ai jamais pris les fruits qui étaient dans les desserts en défaut. J'ai goûté des choses formidables. Ça vaut, à mon avis, toutes les récompenses du monde. Les produits de Ravifruit sont formidables. Merci Vincent. Je profite de cette tribune, bien entendu, pour vous dire que nous sommes très fiers et très honorés de cet engagement dans la Coupe du Monde. Nous partageons avec la Coupe du Monde des valeurs essentielles qui sont pour nous, et je retiendrai une, c'est l'excellence. Et l'excellence, on la trouve à tous les niveaux, au niveau de tous ces gens passionnés comme Gabriel, tous ceux qui l'accompagnent, le comité. L'excellence, on la trouve aussi avec les partenaires qui sont fidèles. Je pense bien entendu à Jean-Luc et à tous les autres. Bien entendu, l'excellence, on la voit au niveau de tous ces chefs qui ne cessent de nous impressionner par les prouesses techniques, par les prouesses artistiques. Alors bien entendu, j'ai un petit mot pour eux, bien entendu ce soir il y aura des vainqueurs, il y aura bien entendu des gens déçus, mais tous pourront rentrer chez eux très fiers, ils auront participé à la promotion de leur pays et de la pâtisserie dans le monde. Donc bravo à eux. Enfin, pour terminer, l'excellence pour Ravifruit, eh bien, c'est aussi d'être à la hauteur de toutes ces exigences sur le plan de la qualité des produits, sur le plan du service et de l'innovation. Et je profite aussi pour remercier tous nos clients, nos partenaires, nos distributeurs, nos importateurs. Donc merci à vous tous. Merci Thierry Sibu, merci à Ravifruit. Le moment est venu pour nous de remettre ce premier prix. C'est Gabriel qui a la charge. Je vais demander à Thierry de juste se mettre sur le côté. Merci. Doucement, attendez. Non, excusez-moi. On va le refaire. Ça va pas. Là, je vous sens, mais alors, complètement largué, là. Il n'y a plus personne au moment du résultat final. Mais vous êtes où, alors? Où ils sont, les Belges? Où ils sont, les Taïwanais, les Marocains? Les Anglais, où ils sont? Les Mexicains, les Argentins, on vous entend pas. They're still too quiet. They're still way too quiet. Come on, audience. It could be anyone's game. There's still one more envelope to go. All names are still on the table. J'en profite. Si on peut arrêter la musique. J'en profite pour faire une annonce personnelle. Je vends une tempéreuse qui a à peine servi. Non, je plaisante. Pas du tout. C'est pour vous dire que les prix spéciaux auxquels vous êtes habitués seront remis lors de la soirée de gala, ce soir. Il n'y aura pas d'autres prix remis aujourd'hui sur cet espace scénique que la médaille d'or. Le reste, ce soir à dîner. On y va ? On est parti, on remet la musique. On y va ? Est-ce que c'est un pays qu'on connaît bien ? Alors je pense que c'est un pays qu'on connaît bien pour sa qualité gastronomique. La France. Congratulations, France. Thank you.
premier prix, cette Coupe du Monde de pâtisserie. Valeureuse équipe de France qui a cru à son destin. Angelo Musa, Pascal Molinès qui vient les embrasser. Ce sont les derniers vainqueurs. Les anciens vainqueurs de cette Coupe du Monde. Cette grande famille de pâtissiers. Philippe Rigolo, Pascal Capé, ils sont là. Voilà cette équipe de France qui retrouve le rang qui lui est dû peut-être ici sur la Coupe du Monde de pâtisserie. Un travail d'arrache-pied. Même Gabriel s'est fait avoir là. Hein ? T'as craqué un petit peu. Ah bah si. Si, parce que tu es quand même humain, hein ? Tu n'es pas un robot. Bravo la France! Et tous les membres du comité sont debout pour applaudir et fêter ces jeunes pâtissiers qui rentrent dans l'histoire du métier aujourd'hui. Alors là, on a le président national des pâtissiers. Alors, on va le féliciter. Mais en même temps, il va avoir la lourde charge de s'occuper de la promotion de l'équipe. Frédéric, à toi. C'est pour moi, bien évidemment, un grand plaisir, d'abord que la France gagne, puisque, bien évidemment, encore une fois, en tant que président national de la Confédération des pâtissiers de France, c'est forcément un grand honneur, une grande émotion. En tout cas, bravo à vous tous. Et bien évidemment, je t'accompagne et je ferai la promotion de cette équipe. Encore une fois, il aiderait autant que faire se peut. En tout cas, bravo encore pour cette manifestation magnifique. Merci à toi, Gabriel. Et bravo vainqueur, en tout cas. Bravo à vous tous. Eh bien, moi j'ai une pensée pour toutes les équipes qui ne sont pas sur le podium ce soir. Ces 19 nations qui sont restées en bas du podium,
qui sont là sur la scène, qui ont livré le même combat que ceux qui sont les vainqueurs. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort, les 19 équipes internationales. Ladies and gentlemen, here are our three podium winners this year for the World Pastry Cup 2013. Can we have a huge round of applause for all of our 22 countries that have joined us here today over the past 2 days for this amazing competition? Exactement. Beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection. Alors, messieurs, je vais demander aux partenaires, s'il vous plaît, de ne pas venir sur le podium pour l'instant, car nous allons avoir des séances de photos avec les lauréats, les uns après les autres. En revanche, je prie les candidats des différentes équipes de venir sur le podium. For joining us here at this amazing competition, and we hope to see a lot of you at the gala dinner tonight as well in celebration of our amazing teams. Ladies and gentlemen, it's been wonderful to have you all here, and we do hope to see you in 2015 here at the World Pastry Cup in Lyon at Syrah. Bon, s'il vous plaît. Je vais demander à l'équipe d'Italie de bien vouloir revenir sur la deuxième marche du podium. Troisième marche du podium. L'équipe du Japon, regardez, toujours disciplinée, ils sont là, ils sont prêts pour les séances photo. Bravo. Où sont les Italiens ? Dove sono gli italiani ? Bon, je vais demander aux partenaires de ne pas quitter la salle pour les séances de photos qui vont suivre. S'il vous plaît. À chaque fois que la France a participé, elle a été sur le podium. Alors, il y a du bisou, ça c'est sûr. Bien, je vais demander... Français, on a besoin de vous, hein, je vous signale. Ah ouais,
À bientôt, bisous, lui on dit tout, hein. Ah ouais, dans 2 ans. C'est bon, c'est tout. Guarda te le giapponese. La discipline. Bien, je pense que... Je vais prier nos partenaires d'être prêts à venir figurer sur la photo dès que l'on aura récupéré les équipiers français qui se sont tirés. Ah non, 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 non. Alors là, on les aura plus, hein. Ils sont en train de passer dans le public. Je me tourne vers Frédéric Cassel, président de la sélection française, pour qu'il use de son autorité afin de récupérer les candidats. Bon, les trois petits gars, là, vous venez ici, s'il vous plaît, pour la photo, là. Le coach n'est pas fini, là. Ah, en voilà un, c'est déjà bien. Venez ici, messieurs. Je vous promets que l'after sera plus chaud. Voilà, la troisième mi-temps. Geoffroy. Geoffroy, tu viens, s'il te plaît. Bon, ben, je vais aller te chercher, hein. Geoffroy, allez, hop. Eh oui. Nous allons donc commencer les photos avec les partenaires, à commencer par Valrhona. Merci messieurs, la maison Ravi Fruits, je vous prie. Les partenaires Ravi Fruits. Ah, je vous sens bien là. Pas malheureux. On sourit, on regarde l'appareil. Non, ça est quoi ? Merci, Ravi Fruits. Je vais demander à Convoterm de bien vouloir venir. Convoterm et Nodis sont pas là. Alors, c'est pas grave. Bravo, la maison, bravo. Bravo à tous. Merci messieurs, la maison Bagarre. Alors la suite, De Bic. Merci le comité de promotion R3AP. Vous savez, on compte jusqu'à 3, s'il n'y a personne, on passe à la suite. 1, 2, 3, Nespresso. On va là. 1, 2, 3, Diversey. Ça va vite, là, hein, ça passe vite. 1, 2, 3, KitchenAid. Ah, vous voyez, son tour vient toujours. C'est alphabétique, hein, c'est pour ça.
Ah, de faire des bisous parce que après ça reste pendant des siècles sur la photo. Merci messieurs. 1, 2, 3, grillotine. Ah, Bragard est revenu, dis donc. Je vous ai appelé tout à l'heure. Hein. Allez, allez-y, je vous en prie. Puis vous, vous allez cacher les mecs qui sont sur le podium, alors. Alors, je vais dire à Quentin d'arrêter de faire des bisous parce que ça reste sur les photos pendant des années après. Tout à l'heure. Voilà. Bragard. Merci, messieurs. La maison Dobla. Il n'y a pas personne. 1, 2, 3, l'Institut Paul Bocuse. Ils sont partis ? Très bien. Marguerite. 1, 2, 3, vendu. Fermob. Allez-y, allez-y. Oh ben. Je viendrai presque avec vous, je vous sens un peu perdu là. Mais il y a des beaux hommes, regardez. Ils sont magnifiques. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez Renault ? Véhicule officiel ? Non. Maison de Marle ? Maison Marel ? Alors une pour Fernio. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu. Vous allez après au... Merci, merci à tous, merci aux photographes, aux caméramans, aux équipes de son, merci à toute la technique et merci surtout à tous ces jeunes pâtissiers. Quelques photos maintenant, je laisse travailler. Merci à vous, merci à tous. Rendez-vous pour les équipes au dîner de gala ce soir. Dîner de gala pendant lequel seront remis les prix spéciaux. Rendez-vous demain pour le public ici sur le CIRA. La fête continue. On passe du labo à la cuisine, on passe de la pâtisserie à la cuisine avec la première journée des épreuves du Bocuse d'Or qui se tiendront sur cet espace. Mais ce soir, c'est la fête de la pâtisserie. Merci encore d'avoir été là avec nous. Bravo les Français. Bravo le public. Bravo les rigolos. Bonne soirée à tous. Prenez des forces. On se retrouve demain. Thank you.